Alors pourquoi cette vidéo? En fait, c'est assez simple. Comme vous le savez, nous vivons une période assez compliquée, la période de confinement et la période de fermeture des commerces de proximité, dont les librairies. Donc nous avons décidé avec mon associé Alexis Forget d'essayer de nous adapter à la situation et de proposer certaines modalités pour nous permettre de survivre pendant cette période qui, nous l'espérons, durera le moins longtemps possible. Alors qu'est-ce que nous proposons? Eh bien, nous proposons plusieurs choses. On espère s'adapter au mieux à la demande de la clientèle. La première chose qui est intéressante pour nos clients habituels, ou les clients de Nancy et alentour, c'est ce qu'on appelle le click and collect. Moi, j'appelle plutôt ça le retrait en magasin. C'est-à-dire que vous allez sur le site internet, vous choisissez vos ouvrages et vous cliquez sur retrait en magasin. Ensuite, par mail ou par téléphone, on se trouve l'horaire adéquat et qui vous convient. Et vous pouvez venir nous voir pour retirer votre commande directement chez nous. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose que nous avons mis en place, c'est les systèmes de bons d'achat et de chèques cadeaux. C'est-à-dire que si vous connaissez votre budget à l'avance de livres pour le mois de novembre, je donne un exemple, par exemple, vous avez un budget de 50 euros pour le mois de novembre dans l'achat de livres, vous pouvez acheter ces 50 euros dans un bon d'achat. Et quand le confinement est terminé, ou même pendant la période du confinement, vous venez retirer en magasin les livres qui vous plaisent, qui vous conviennent. Et nous avons aussi le système classique des sites internet de base, dirons-nous. Vous commandez, que vous soyez à Nancy, en Lorraine, dans le Grand Est, partout en France ou même à l'étranger. Vous commandez vos livres sur notre site. Donc www.lesdeuxcités.fr et les livres vous sont envoyés par la poste. Donc ça, c'est les trois premières choses qu'on a mis en place. Et nous aurons deux permanences par jour. La première permanence où nous serons présents donc sur place pour vous permettre de venir retirer vos achats de 10h à 13h. Et je serai personnellement sur place de 15h à 18h. Sachant que si ces horaires ne vous conviennent pas, vous pouvez toujours nous appeler, nous envoyer un mail, enfin nous contacter pour qu'on trouve un arrangement. Soit on vous livre directement chez vous si vous habitez, disons, à 10 km aux alentours de Nancy, soit vous venez plus tard, plus tôt, entre midi et 2, etc. Enfin, ça là-dessus, on pourra s'arranger. Donc on est fermé, évidemment, mais on est quand même un peu ouvert, dans le sens où on sera dans les respects de la loi. On sera finalement ouvert un peu dans cette période de permanence et vous pourrez venir retirer vos achats directement chez nous. Et encore une fois, j'invite les gens qui regardent cette vidéo et qui ne sont pas du coin de Nancy à nous soutenir et à commander sur Internet parce que c'est ce qui nous fera survivre au mois de novembre et on espère que ça n'ira pas plus loin. Et voilà pour notre manière de survivre pendant cette période. Et je voulais en profiter pour vous conseiller des livres pour le mois de novembre. Et je vais essayer de faire une vidéo par semaine de conseils de lecture pendant toute la période du confinement. Donc on nous parle du 15 jusqu'au 15 décembre. Donc ça nous fera plusieurs semaines de conseils de lecture. Donc je voulais vous parler de plusieurs livres. Le premier livre de mon ami Laurent Chang, que je salue par la même occasion, qui a écrit un ouvrage aux éditions Perrin, donc une grande maison d'édition, sur le maréchal von Rundstedt, sous-titré Le maréchal oublié. Et c'est vrai que c'est un nom que les amateurs d'histoire connaissent, mais il n'y a eu aucun livre. C'est le premier livre en français sur von Rundstedt, c'est la première biographie en français, peut-être même dans d'autres langues, ça il faudrait revérifier. Donc écrit par Laurent Chang. Ce maréchal n'a jamais rien écrit lui-même en réalité. Donc ça a demandé à Laurent, je crois, 5 années de recherche pour faire ce livre qui fait quand même un peu plus de 350 pages, qui est extrêmement sourcé, comme vous pouvez l'imaginer. Livre aux éditions Perrin, c'est du sérieux, c'est du solide. Et en fait, à travers le destin de ce Prussien, finalement, c'était le dernier Prussien de l'armée allemande, si on peut dire. Vous voyez en fait toute l'histoire de la Prusse puis de l'Allemagne de 1870 à 1945 au travers des guerres. Et vous suivez cet homme d'honneur en fait qui était finalement trop prussien
pour l'Allemagne des années 30 et des années 40. Et on voit aussi comment le chancelier et comment Adolf Hitler en fait utilise l'image de ce maréchal qui était adoré par le peuple. Parfois il l'utilise pour se redonner une légitimité, parfois aussi il va l'écarter parce que le maréchal von Rundstedt avait des idées d'un autre temps, en fait, les guerres ont changé en fait. La Deuxième Guerre mondiale était une nouvelle forme de guerre qui ne correspondait plus aux idées de von Rundstedt. Donc je vous conseille vraiment la lecture de ce livre. Moi je l'ai lu en 3 jours. En général, ces ouvrages-là m'ennuient, puisque ce sont des biographies très spécialisées, et c'est souvent trop dans les détails. Et là, en fait, vous avez au travers de cette biographie, vous avez un portrait de von Rundstedt, mais aussi un portrait de l'Allemagne, de la Prusse, et aussi pour ceux qui aiment tout ce qui est militaire, des petits détails avec des cartes, quelques cartes, une ou deux cartes, je crois, qui vous permettent aussi de mieux comprendre ce qu'a été ces guerres. Donc voilà, un grand chapeau à Laurent Chang pour son livre, je lui ai déjà dit en privé, je le redis en public, sur le maréchal oublié, von Rundstedt. Pour rester dans les livres, disons, historiques, le livre que j'ai fini la semaine dernière, qui s'appelle Le Bureau, sous-titré Les Juifs de Pie XII, qui est un livre vraiment magistral de Johann Hicks. Johann Hicks, c'est le responsable des archives du Vatican. Et les archives de la Seconde Guerre mondiale ont été rouvertes il y a quelques mois ou quelques années. Il a pu en extraire les principaux éléments pour nous montrer une chose qui était assez méconnue, c'est que le pape Pie XII a créé un bureau spécial pour aider et pour sauver le maximum de juifs pendant cette période troublée qui était la Seconde Guerre mondiale. Et on voit, et preuve à l'appui, et documents à l'appui, vous avez pareil, vous avez aussi des cartes, vous avez beaucoup de facsimilés sur les lettres. J'essaie de vous en retrouver une, par exemple, là, une lettre. Donc tout ça est sourcé, excessivement sourcé. Ce sont les éditions Michel Lafon, donc c'est des éditions très sérieuses. Et on sort en fait de tout ce fantasme qui avait été inventé notamment par cette pièce qui s'appelait Le Vicaire, je crois, pièce qui était de la propagande soviétique et qui tendait à faire croire que le pape Pie XII connaissait les exactions des Allemands, et pas que des Allemands d'ailleurs, contre les Juifs et qu'il avait laissé faire. Et on voit qu'il, en fait, Pie XII a agi dans le secret le plus total parce qu'il n'avait pas le choix. Et c'était un diplomate hors pair et il s'est entouré de diplomates hors pair pour sauver le maximum de Juifs. Et on voit d'ailleurs que, notamment par la distribution de passeports, mais aussi par une vague de baptêmes qui a été assez énorme de juifs en fait qui se sont convertis au christianisme. Ça demanderait aussi des débats, mais et qui ont pu être sauvés grâce à ça. Et on voit aussi la tournure, le moment où les nazis ont décidé de ne plus faire la guerre aux juifs en tant que religion, mais faire la guerre aux juifs en tant que race, en tant qu'ethnie. Et les juifs qui se convertissaient au christianisme, même depuis plusieurs générations, étaient eux aussi dans la tourmente. Donc vous voyez des choses pour moi qui étaient totalement inconnues, notamment les lettres entre Pie XII et Roosevelt. Et on voit comment ces deux grands personnages ont essayé de travailler ensemble. On voit aussi comment Pie XII s'est battu contre certains membres de son propre clergé dans différents pays. En plus, c'est très bien écrit, c'est écrit finalement comme un roman, mais avec des sources. Et vous suivez le destin de plusieurs personnes, de plusieurs juifs, de plusieurs pays d'Europe, qui parfois réussissent, pour leur grand bonheur, à se sauver des griffes des nazis, et parfois n'y arrivaient pas. Hein, c'est pas non plus un livre totalement béat devant Pie XII. On voit aussi les manques, parce qu'il ne pouvait pas tout faire. Donc un livre honnête que je recommande vraiment à la lecture de ceux qui s'intéressent à l'histoire et qui veulent sortir de la vision manichéenne des relations entre Pie XII et les Juifs. Donc le bureau Les Juifs de Pie XII, écrit par Johann Hicks, qui est un Belge et qui a vraiment fait, pour moi, un chef-d'œuvre également. Pour rester dans l'histoire, les archives, le livre de Pierre Hilar, qui est réimprimé, qui
qui s'appelle Les Archives du Mondialisme, qui est sorti normalement en 2019, si je ne me trompe pas. En tout cas, il y a moins de 2 ans, et qui est réimprimé par les éditions Nouvelle Terre. Donc, je salue également mon ami Pierre Hilard, et je n'ai pas besoin de le féliciter, il sait ce que je pense de son travail absolument impérial et impérieux. Donc, Les Archives du Mondialisme, le sous-titre, pour moi, est encore plus important, c'est De la guerre contre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Vous avez 240 pages, je crois, de rédaction de la part de Pierre Hilard sur la nécessité de comprendre l'importance de l'Ancien Testament dans le monde actuel et de sa relation évidemment avec le Nouveau Testament et comment il faut lire l'Ancien Testament par la lumière du Nouveau. Pierre Hilard, évidemment, nous parle du projet mondialiste, etc. Et notamment du projet mondialiste à l'intérieur de l'Église. Et c'est pour ça que lire ces deux ouvrages en parallèle ou l'un après l'autre, à mon avis, serait une bonne idée pour ceux qui veulent en savoir plus sur tous ces sujets. Et ce qui est génial, pardon, avec Pierre Hilard, c'est que quand vous pensez qu'il va trop loin, malgré la source, eh bien vous avez les archives qui sont facsimilées, photocopiées, en hébreu, en allemand, traduit en français, en latin, tout ce que vous voulez. Donc tout est sourcé. Après, vous pouvez ne pas être d'accord avec la source, mais la source est là. Donc Pierre Hilard, ça fait, je crois, 800, ouais, 750 pages en tout, 34,90 €. Évidemment, tout ça est disponible chez nous dans la librairie. Excuserez pour le manque d'image, mais le son normalement a été correctement enregistré. Donc, pour rester dans, disons, l'histoire et le rapport entre l'histoire et la religion, un livre que je viens de terminer de Alain Pascal qui s'intitule La Réforme, cette révolution, sous-titré Le siècle de la folie. Ouvrage également magistral qui fait 600 pages, toujours des pavés avec Alain Pascal, et qui explique en quoi la réforme luthérienne et plus tard protestante et calviniste, et il explique bien le rapport entre l'humanisme et toute cette mouvance, n'est pas une réforme, mais une révolution. Et il explique aussi, c'est ça qui est intéressant dans les ouvrages d'Alain Pascal, c'est qu'il explique l'arrière-fond religieux, il remonte à la gnose, à la cabale, etc., les relations entre la cabale, Luther, les relations avec Érasme, etc. Et il nous explique que finalement la réforme portait mal son nom, elle aurait dû s'appeler la révolution, ou en tout cas le prémisse de la révolution. Et ouvrage, voilà, comme d'habitude avec Alain Pascal, assez magistral. Je vous conseille toutefois de commencer au moins par l'après-Kabbale pour rentrer un peu dans la tête d'Alain Pascal et dans sa manière de penser, ce qui vous permettra d'avoir les clés pour comprendre sa série qui s'appelle La guerre des gnoses. Donc là, c'est le tome 4 de La guerre des gnoses. Je vous conseille évidemment tous les autres, mais comme je viens de finir celui-ci, je mets en avant celui-ci pour cette vidéo. Et vraiment, c'est un ouvrage majeur, je pense, pour comprendre la révolution luthérienne et non pas la réforme. On reste encore dans l'histoire avec le livre de l'excellent Jean-Noël Toubon sur Saint-Louis, ainsi était Saint-Louis. Un livre qui peut être offert à des jeunes qui veulent comprendre l'histoire de France et l'histoire des rois de France. Là, vous avez un livre qui est assez court, il fait 180 pages, très bien écrit. C'est une introduction parfaite pour comprendre qui était ce grand roi qui est devenu saint, Saint-Louis. Et à travers la plume de Jean-Noël, que je salue également, vous comprendrez pourquoi il a été sanctifié, pourquoi il est devenu saint, et pourquoi c'est l'un des plus beaux rois, sans doute, de l'histoire du monde, et un des plus beaux rois de France, en tout cas. Donc, 17 € le livre de Jean-Noël Toubon. On passe totalement à autre chose, encore 2 livres à vous proposer et à vous conseiller. Le livre qui a fait parler de lui est de Charles Prats, qui est vice-président au tribunal de Paris maintenant, je crois, et qui était magistrat dans tout ce qui était fraude fiscale. Et quand vous sortez de la lecture de ce livre, vous vous dites, mais tout ce qui est problème financier, économique en France, que ce soit les retraites, le chômage, l'impossibilité d'augmenter les salaires, etc.,
Vous vous dites que là, vous avez une clé de compréhension parce que selon Charles Pratt, c'est pareil, là, c'est extrêmement sourcé. Il y aurait 5 millions de fantômes, 5 millions de fantômes qui bénéficieraient indûment des prestations sociales, pardon, françaises. Souvent, ces gens, d'ailleurs, n'habitent même pas en France, ils habitent surtout en Afrique, et ils touchent des retraites alors qu'ils ont 120 ans. Ils touchent la CAF alors qu'ils habitent même pas en France. Voilà, donc là, vous avez 5 millions de personnes qui font de la fraude. C'est de la fraude du bas, hein, mais ces 5 millions-là nous permettraient sans doute de vivre mieux et d'éviter la casse sociale qui mène à la casse de l'hôpital et qui mène au confinement dans lequel nous vivons actuellement. Donc Charles Pratt, c'est les excellentes éditions Ring. Comme je dis les pages, je vais continuer 314 pages pour 18 euros. Et c'est un livre assez novateur. Ça, c'est plus pour les jeunes, je trouve. Mais c'est assez novateur parce que vous avez des QR codes dans certaines pages du livre. Avec votre téléphone, vous pouvez creuser un sujet en flashant le QR code. Et ça vous ramène à des chiffres, à des graphiques ou à des vidéos sur YouTube. Donc un livre extrêmement complet de Charles Prats. Et je finis tout de même avec un roman pour ne pas tout le temps être dans l'intellectualisme à outrance. On est quand même en France, donc il y a des romans qui sont à lire. De Romain Guérin, qui nous fait l'amitié d'accepter qu'on présente ses livres chez nous. C'est un livre qui est quasiment introuvable dans les librairies. Et qui de mieux que Jean Raspail pour vous parler de ce roman? Je vais vous lire ce qu'il en dit, enfin ce qu'il en disait, puisque Jean Raspail nous a quittés. Ce livre est le plus grand bonheur de lecture que j'ai eu depuis longtemps. Des larmes ont souvent coulé, notamment ces extraordinaires pages de la fin où le fils interroge sa mère, sublime. Je n'ai plus la force de vous en faire ici un commentaire dont les mots m'ont échappé. L'intelligence admirable du récit, sa profondeur, la beauté des sentiments, les questions majeures qui se posent. Je lis, mais avec mes lèvres, témoin silencieux devant, j'ose le mot, ce chef-d'œuvre. Dieu a dû vous injecter des doses d'inspiration. Il m'a fait le coup autrefois. J'ai prêté votre livre à un ami qui l'a prêté à un autre, et le livre ne m'est pas encore revenu. Mais mon téléphone sonne souvent. L'admiration et la sidération sont générales. Jean Raspail. Donc, comme c'est un roman, je ne vais pas trop vous en dire, mais en gros, vous suivez le journal d'Anne France, une dame qui s'apprête à mourir. Voilà, je préfère ne pas vous en dire plus. Je pense que Jean Raspail, l'immense Jean Raspail, avait bien résumé la chose. Donc lisez le livre de Romain Guérin, en plus vous soutenez un auteur à connaître. Et on a une belle génération de jeunes auteurs qu'il faut mettre en avant. Voilà les amis, vous savez comment on fonctionne. Je vous mets les liens de tous ces livres en dessous de la vidéo. Vous pouvez les récupérer directement en retrait ou sur Internet si vous habitez plus loin. Autre chose aussi que je voulais vous dire, c'est que les éditions du Verbe haut, que ce soit le Bainville, le Antoine Bonnet, le Delassus ou le mien, tous ces livres-là sont bientôt en rupture et ne seront pas réimprimés, je pense, avec ce qui se passe en ce moment avant janvier-février 2021, sauf peut-être le Bainville qui sera réimprimé avant. Et qui aura sans doute une coédition avec la librairie. Donc ça, je vous en reparlerai plus tard. Mais je vous invite à commander tous nos ouvrages, non pas tous les autres ouvrages d'ailleurs, mais nos ouvrages en priorité, à les commander à nos librairies amies. Donc évidemment à la nôtre, librairie Les Deux Cités, mais aussi, je n'oublie pas nos amis de la librairie française, il faut aussi les soutenir. C'est une librairie qui m'a permis de découvrir et de toucher beaucoup de lecteurs, donc je tiens à les remercier et à vous dire aussi de commander chez eux notre maison d'édition. Je n'oublie pas également la librairie Vincent, dont je salue le gérant Vincent, qui nous a aussi permis de passer à un autre niveau, et la nouvelle librairie à Paris, il faut aussi ne pas les oublier. On a des librairies comme ça, on n'est pas beaucoup en France à faire le travail, donc la nouvelle librairie plus librairie française. Nouvelle librairie, librairie Les Deux Cités, librairie Vincent. Voilà, donc n'hésitez pas à acheter les éditions du Verbe haut chez eux en priorité pendant cette période, et non pas sur notre site de la maison d'édition directement. Parce qu'il faut faire vivre tout le monde. Voilà les amis, je vous remercie et je vous dis à la prochaine.